Salut les gars, bonjour à tous, bienvenue, Floppy qui était promis aujourd'hui, salut Floppy, Ludwig, Maxime, Alain, Arnaud, Eric, Pic, Olivier, Doc, Eric, Maxime, Guillaume et Léo, salut à tous. On va bricoler un peu, après c'est un peu plus d'une semaine de vacances là, ça va faire du bien. Je retrouve l'atelier avec plaisir. Comment ça va les gars? Salut Romain. Après le bon air. Ouais, Chambéry, c'est vraiment sympa les gars. C'est vraiment sympa. Le bon air, je dors mieux, je mangeais mieux. Enfin, tout est... Voilà. Je reviens à Paris. Bon. Salut Cédric. Bon, alors, première coucouille, c'est-à-dire que... Quand on a fait le montage ensemble là, il y a deux semaines, là, à la fin j'avais mis les roues là, tu vois, pour voir comment. Voilà. Bref, et puis apparemment ben, il devait y avoir un peu de colle dans les roues et j'arrive pas à les enlever. J'arrivais à enlever ceux-là sans problème, j'en ai cassé une là, qui est là, tu vois, et ceux-là elles sont collées. Putain, je suis dans la merde parce que j'ai encore des roues à coller là, alors je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. J'aurais pas dû les mettre, tu vois. Tu vois, là, celle-là va casser aussi. Elle a deux doigts de casser. Alors, celle-là, ça va. Celle-là, pareil, hein, regarde. Hop. Ah, putain, merde, merde, merde. Il faut absolument que je les enlève parce que il y a des roues de l'autre côté. Salut Philippe, comment ça va, Arnaud? Paris, c'est la soupe. Ouais, c'est devenu de moins en moins... Enfin, vraiment pas agréable, quoi. Vraiment pas sympa. Avec l'essence à Zippo, ça se décolle bien. Ah ouais. Salut, Christian. Ouais, dernière visite médicale, ils m'ont dit que je pouvais reprendre le boulot. Enfin, je pourrais sans doute, c'est pas encore sûr, mais... reprendre le boulot le janvier. Donc, je suis super content. Salut, Pascal. Ok Pascal, à samedi. Salut Papou, salut Maquette Marmotte, salut Eric. Ouais, de samedi, on va chez Passion 132. Bon, on va essayer avec l'essence à Zippo. Hein. Alors. Essence à Zippo. Elle est où l'essence Zippo? Elle est là dans le coin, je sais, mais où? Ah, voilà. Essence Zippo. Ouais, si j'avais su, je l'aurais pas collé, je l'aurais pas mis dedans, mais bon. Ah, Maxime, tu vas venir aussi? Ah, bah génial, salut Rudy. Plus on est de fous, plus on s'amuse, comme on dit. Hein. Ça sera bien. Bon, ça va pas durer des heures, hein, ça va être court. Hein. Parce que nous, 16h30, 16h, il faut qu'on décolle. On a 5 heures de route pour repartir, enfin 4 heures et quelques pour repartir à Paris. Alors on va laisser la colle agir un peu. Et puis celle qui est pétée là, qui est ici. Là, celle-là. Oh, peut-être remarque, je vais regarder un peu. Ouais, non, je vais la repercer à la perceuse, celle-là je perçais là, et puis on va agrandir le truc, et puis on va le poser comme ça. Ah merde, bon. Alors. Toi aussi Philippe, tu seras là, c'est génial. On t'a manqué. Bah oui, oui, bien sûr. Vous m'avez manqué. Bah tu sais, je réponds à ma quête mammouth. Au dernier direct, j'avais
À la fin, j'avais posé les roues comme ça pour qu'on voit à peu près la gueule que ça, tu vois. Et puis, je l'ai laissé comme ça depuis 15 jours. Mais il devait rester un tout petit peu de colle dans ces deux roues-là, pas dans trois roues. Et du coup, j'arrive plus à les enlever. Il faut absolument que je les enlève parce que j'ai d'autres roues, là. Donc là, on dit, essaye avec un peu d'essence Zippo. À mettre, ça va peut-être décoller un peu, mais... Là, il faut que je les laisse agir un petit peu plus. Après, il y a la solution de couper à ras, hein, puis mettre un truc pour que ça tienne. Mais... On va attendre un tout petit peu. De toute façon, on va attendre que les autres arrivent. Hein. Parce que, comme d'habitude, YouTube va envoyer la notification. Ah ouais, Eric, ça serait bien si je pouvais venir en hélico. On gagnerait un peu de temps. Patrick, on va devoir mettre un podium et de la sonorisation sur le parking de Paul pour voir et entendre Didier. Non, t'inquiète pas, j'aurai le temps de faire le tour de tout le monde, de discuter avec tout le monde. Ouais, la merde, oui, mais c'est bon, c'est pas très très grave, c'est juste du boulot en plus, quoi. Si ça se décolle pas, faut que je te lis à la pince, je coupe à ras, puis j'insérerai un tenon après pour que ça tienne, tu vois. J'aurais dû m'abstenir, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, alors on avait fait, on va attaquer l'étape 7. Qui était ben justement mettre les roues là, mais. On avait déjà mis les trucs en dessous là, les pots d'échappement. Et là, c'est les galets à 5 qu'on va dégrapper et puis poser. Et qu'on va coller, enfin que je voulais coller temporairement. Après, on va attaquer l'étape 8, 9, etc. On a le temps. Oui, bah c'est celui-là, là. Tu vois. Parce que pareil, je dis, il y en a, quand je dis qu'il y en avait 3 de collés, bah c'est celle-là, et puis celle-là. Et là, j'ai tourné un peu plus, clac. Donc là, pareil, c'est pas un problème. On va couper la ara. Et puis, je vais insérer un petit tenon. Bon, je ferai ça hors caméra pour pas vous casser les pieds, mais... Tu vois, un petit tenon, un petit trou de perceuse là-dedans, un petit tenon là-dedans, et puis zou. C'est juste que je vais perdre du temps, quoi, mais bon, c'est pas très très grave. Ouais, bah celle-là, c'est pareil. Allez, hop, à l'américaine. Hop. Donc on va mettre ces trois-là de côté. Comme quoi, tu vois, la colle Tamiya, là, c'est pas de la blague, hein, ça tient bien. Hein. Ça tient sacrément bien. Voilà. Là, on va couper bien comme il faut. Je vais même les poncer un peu. Mais pas trop forte, la musique, ça va, là. Voilà. Zou. Salut Christophe, comment ça va? Comment conserver au mieux les planches de décal qui restent d'un montage et qui pourraient servir sur un autre montage plus tard? Dans un classeur? Tu vois, tu prends un classeur. Ah bah là, Arnaud, faire tremper. Ouais, trop tard, et puis faire tremper le truc complètement dedans dans l'essence EF. Ah non, mais ça va aller, c'est juste... ça prend... Je vais perdre du temps, quoi, c'est tout, hein. Tu vois, après, je vais percer des trous là-dedans. Enfin, je vais faire ça au calme. Pareil dans les roues. Tu vois, et puis je vais introduire un petit tenon, et puis roule ma poule. Là, on va pouvoir continuer le montage... Ouais, Christophe, normalement je devrais reprendre le boulot en janvier. Alors normalement, mais bon, il y a de bonnes chances. Ça serait cool. Je vais prendre un mi-temps thérapeutique d'abord. Voilà, tu vois, faut que ça soit bien un rat, et puis ça va être bon. Je prépare juste les pièces et je ferai l'assemblage hors caméra. Voilà.
Ouais, je vais faire un mi-temps thérapeutique pendant, je sais pas, 3 mois peut-être. Et puis après, ben zou, jusqu'à la retraite, d'une seule traite, j'espère. On peut pas avoir encore une merde. Normalement, ça devrait aller. Le cœur, c'est bon, c'est reparti. Plus de cholestérol. J'ai plus mal au dos. Bon, normalement, ça devrait. Salut Michel. Bon, à part ça, les gars, quoi de neuf? Racontez-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on monte? Qu'est-ce qu'on maquette? Voilà, bon, on va coller donc. On va dégrapper les pièces A5. Et normalement, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, je mets ça là. Ah, après les autres aussi c'est des A5. Je regarde l'étape d'après. Ah non, c'est A5 et A6. Faut pas confondre. Hein. Alors, les A5. Pourquoi elles vont dans les... Ok. Après, il m'en faut 3 de chaque côté, donc 6 en tout. Vous êtes tous au boulot ou quoi là? Ah non, Christophe. Ah, je bosse sur les roues de mon Brumbar. Abîmer les caoutchoucs, ben c'est long. Ah ouais, oui. Ouais, tu fais des caoutchoucs. Enfin, ouais, je vois ce que tu fais. C'est vrai que c'est long. Si on veut que ça soit fait de façon aléatoire et tout. Ok. Du bouquin AKFAC 3. Ah, il est sympa ce bouquin. Hein. Qu'est-ce qu'il est chouette. Et 6, voilà. D'ailleurs, il me reste beaucoup de pièces A5, là. Il me reste encore tout ça, ça va servir à quoi ça? Les autres, c'est les A6, je les ai pas vus, les A6. Ok, donc ça c'est bon, ça va dans le système de roues, c'est celles qui sont carrément ici, quoi, contre les... Ça va être comme ça, quoi. Putain, ils se sont trompés dans la notice. Oh, je suis trop content, j'ai trouvé, ils se sont trompés dans la notice. C'est pas très grave. Ils ont mis les mêmes numéros, tu vois? Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, celle où il n'y a pas de trous, c'est les 6. Et celle où il y a des trous, c'est les 5. Donc ça, c'est des... Hop. Hop. C'est moi qui n'ai pas réveillé non plus, il faut peut-être que je me. Tu vois. Que je me remette dans le bain, quoi. Voilà. Ça, c'est les 5. Et ça, c'est les 6.
Alors Eric, on essaie de finir un RC-101C, j'ai commencé un SU-33, mais peu de temps à consacrer à la maquette avec le boulot, les enfants et un voyage en Irlande semaine prochaine. Ah bah ouais. Salut Alain. Pas de maquette pour moi cet après-midi car on travaille à assembler des nuages. Sympa, t'as un boulot sympa, hein. T'es prêt pour samedi, mon floppy? Voilà, et ça c'est le 6. Voilà. Arnaud, au boulot actuellement, mais à la maison, je suis à fond sur un Jack Panzer. 4 L70, vieux kit de chez Taleri que j'améliore pas mal. Génial. Sylvain Marie, au boulot, mais comme il pleut, je peins une cage d'escalier, tu regardes. Philippe, toujours sur la peinture de son MiG-17. Camo égyptienne, ah, sympa. Si tu peux faire voir des photos là sur Discord, ça serait cool. Salut Eric. Moi je suis sur un G7107, donc un gros camion cargo 4x4 de chez Mini Art. Ah, il est sympa celui-là, la boîte, j'avais fait la revue là. Christian, il a presque terminé sa première maquette à Spitfire MK5 Trop, donc Tropical. Il me reste la couche X22 après la pose de décale. Je vais voir pour les jus. Ah bah oui, t'es vers la fin là. Johan, bonjour Didier, nouvel abonné, débutant complet, merci pour tous ces conseils précieux, je t'en prie. Philippe, salut. Impatient, je dois d'ailleurs passer chez ma couturière dans 5 minutes. Ah, sympa. Salut Anthony. Comment ça va? Voilà, donc ça, si j'ai bien compris, ça va venir comme ça avec cela, quoi. Tu vois? Hop. En emprisonnant au milieu les autres. Là. Les autres, là, j'ai compris. Voilà, maintenant je fais un direct parce que samedi, là, samedi dernier il n'y a pas eu de direct, j'étais pas là. Et là samedi il n'y en a toujours pas parce qu'on va chez Passion. Bon, du coup je me suis dit je ne vais pas les laisser 3 semaines sans direct. Et comme je voulais avancer un peu sur le Fabou, je dis, allez, vas-y, allume la caméra, et puis comme ça, tu vas voir les copains. Salut David! On se retrouve dans le monde replay, à bientôt. Bon. Voilà. Ah bon, y a toujours plein de travaux chez moi là, autour, dedans. Et, ah, je sais pas ce qu'ils ont. Ils refont l'allée devant, ils refont les entrées des paliers là, tous les paliers. Donc il y a du bruit partout quoi. Devant la rue derrière, pareil, je sais pas, ils changent des tuyaux, des machins. Il y a du marteau piqueur partout quoi. Fatigant. Voilà, ça c'est bon. Et après on va monter la roue avant. A7, A8, A1, A2. Ils sont tous là, regarde comme c'est mignon. Alors A7, A8. A8, A1, ce qui est ici. Et le A2. Alors quand je pense au dos du mec qui est en train de taper là,
Tu vois, là, j'ai regardé tout à l'heure, je suis passé devant tout à l'heure, c'est un jeune, là, il doit avoir 20-25 ans, là, il a pas mal au dos, il y va à fond, mais. Là, ces lombaires, ils sont en train de manger grave. Et ça, c'est encore un mec à 50 ans, comme moi, comme beaucoup d'autres. Il va faire sciatique sur sciatique. Alain Jus, bonjour à tous, un petit bonjour de ma chambre clinique. Je suis prêt pour l'opération, j'ai pas le moral. Bah oui, ah oui, tu vas te. Rappelle-moi ce qu'ils vont faire, Alain. Ils vont te souder tes vertèbres, c'est ça? Salut Floppy, à toutes. Salut, Dratat Player, bah écoute, de rien. Ah, salut Bryce, ça fait plaisir de te voir. Fred, je suis sur l'assemblage d'un wagon plat allemand SSYL de chez Trumpeter. Ah oui, je l'avais cette boîte. Elle est sympa. Rudy, pour ma deuxième maquette, j'ai un Panzer 2 de chez Tamiya. Tout se passe bien, sauf les chenilles qui sont en caoutchouc. Ah ouais. Bah moi j'avais fait les deux, Rudy. Ça marche bien les deux. Enfin, ça marche bien les deux. La couleur, c'est. Enfin, mettre en peinture, c'est compliqué. Hein. Par contre, la vieillir au pigment, ça marche. Mais ça reste pas terrible, hein, des chenilles en caoutchouc. Voilà, t'as pas le choix, j'imagine bien. Hein. J'ai déjà fait le fameux Dragon, nous dit Jérémy, avec un 88 Tamiya attelé. Oh, génial! Moi, j'ai fait le SDK UZ7 Dragon, avec le, pareil comme toi, le 88 mm Tamiya. Milita Christie, salut, bonjour à tous, du compapin. Ah, salut un Normand. Je viens de commencer, nous dit Philippe, mon Corsair F4U1A. T'as mis un 48. Ah bah génial. T'as des vidéos pour t'aider là. Salut Maxime. Pareil, débutant complet, j'aimerais commencer mon Sambabus de chez Rebelle en test avant de faire la pièce qui m'a fait craquer. Ah, c'est quoi la pièce qui t'a fait craquer, mon Maxime? Et Johan, lui, va débuter le F-117A Nighthawk de chez Rebelle. Sympa, les petits kits Rebelle pour commencer, c'est très bien. Salut Bruno. Didier, je suis actuellement sur le super étendard modernisé de Kinetic. Ah, c'est lui que j'ai fait, là. J'ai vu qu'il allait sortir une nouvelle boîte du SEM. Ah ouais, avec quoi? Une nouvelle version ou livrée ou... Salut Fab. Je prépare des vidéos, nous dit Bryce, cela prend plus de temps que je ne le pensais. Ah ben ouais, ouais. Moi j'ai passé 5 ans à faire toutes ces vidéos là, c'est long. Hein. Ils vont me mettre deux cales pour éviter que les vertèbres L5 et L6 sortent beaucoup plus. Opération qui va durer 4 heures, voilà. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. C'est galère là, hein. Courage. Alors Maxime, la maquette que t'as craqué, c'est un bus Volkswagen Westphalia. J'ai le modèle réel, ce serait top de l'avoir en miniature sous vitrine. Ah ouais, génial, top, puis t'auras de la référence en plus. T'auras pas besoin de lâcher des bouquins avec des photos et tout. Jérémy, j'ai lu un tuto pour décapage acrylique avec décap four, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Ah ouais, tant ça marche bien le... Nous, enfin, on utilise le décap four généralement, tu sais, des fois on reçoit des grappes qui sont... Des grappes qui sont chromées, tu sais, voilà. Pour enlever le chrome, on presse ça, le décap four dans un sac. On laisse reposer toute la nuit. Et le lendemain, normalement, c'est plastique nu. Alors, est-ce que tu as bien laissé reposer toute la nuit? Alors après, il me faut des petits trucs en plastoc, là. Pièce de jonction grande. Alors. Oula. Oula. Je pars en couille.
Ça, c'est pas ces grandes là, j'imagine. À moins que ce soit les deux grandes là pour les roues avant. Non plus. Donc c'est les petites. J'ai laissé toute la nuit comme conseiller. Ah bah c'est bizarre que c'est pas parti, hein. Et Fabrice nous dit, est-ce que t'as pris le décap four bleu ou vert? Ah ouais, moi je prends le bleu, hein. Je t'ai passé des extraits d'articles de doc que j'ai sur le fameux Didier sur Discord. Ouais, bouge pas, on va aller voir ça. Enfin, bouge pas, c'est moi qui dois pas bouger. C'est... je découpe ça. J'en découpe deux parce qu'il y a une deuxième roue à faire après. Je vais coller ça tant que je suis dans le truc, après on va sur Discord. Okay. Alors, après, tatata. Ok. J'ai même pas préparé la colle, moi. Hop. Bon, ce coup-ci, on va bien laisser sécher. Hein. Il n'y a pas question que je le mette sur le bahut avant demain. Okay. Ensuite, ça là-dedans comme ça. Voilà. Cool. Alors, allons voir sur Discord, mes amis. Discord. Hop, hop, hop. Ah ouais, carrément. Et montre les fameux Didier. Ok. Un peu. Ça c'est un 7. 18 tonnes FAMO F2. Ah ouais, en F2 avec la. Ouais, celui-là il est complet. Là il est pas mal avec de la camo comme ça, tu vois, de l'herbe là partout là. Ouais, avec la capote et tout, pas mal hein. Tigre, 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 tigre. Ouais, c'est chouette. Hein. Ok, merci beaucoup. Vraiment sympa. Je vais les télécharger tout à l'heure, les mettre sur mon disque dur. Merci Frédéric. Cool. Alors ça... Ah bah non, c'était pas la peine que je les fasse, cela, puisque... Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Je suis pas concentré, hein. Je vais avoir des problèmes puisque voilà, j'ai ça. Ah oui, avec la roue de secours même. Ah, par contre, j'ai pas le sens de la roue de secours. J'ai pas la petite pièce là. C'est celle que j'ai rajoutée là. Mais j'avais verni avec vernis acrylique, c'est peut-être pour ça. Bah non, non, ça décape vraiment tout, hein. Ça va jusqu'au plastique, Jérémy, c'est bizarre. Philippe Kaufmann, je n'arrive plus à poster une photo sur Discord, mon message est rejeté. Ah. Voilà, moi j'ai pas touché à Discord du tout. Hein. Salut Tristan, salut Joël.
Ah non, une Vorted Player, c'est facile pour les lampes. On a tous la Velman. Enfin, tous, pas tous, mais enfin, on est beaucoup à avoir la lampe Velman. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette pièce-là. Donc là, on va la coller à la Ciano, mais... Ah si, il y a même le petit trou prévu et tout. Tu vois. Voilà. Ok. Bon. Donc en fait, ça je pourrais peut-être les garder, les peindre, puis les mettre dans la remorque derrière. Genre, faut que je mette plein de bazar dans la remorque derrière de toute façon. Salut Marc. Salut Jérémy. Tu l'as envoyé quand l'email, Bruno? Parce que là, je suis rentré de vacances. J'avais 660 emails. Hein. J'en ai fait 280. J'en refais un petit peu demain. Peut-être que ton email était dedans. Pip, 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 pip. J'ai l'impression que, comment dire, oh putain, j'aurais dû regarder avant, ça fait deux bêtises. Putain, bon, en tout cas ça me fait comprendre que la colle Camilla, tu vois, même en 5 minutes. Parce que ça, faut quand même le mettre derrière. Ben non, c'est pas la bonne taille. Mais il fallait au moins mettre ça là, le petit truc avec la. Ah là 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 là, j'aime pas quand je fais des bêtises comme ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Encore, qu'est-ce que je pourrais prendre comme pince? Ça, au moins il faut que ça aille là-dedans, non? Voilà, au moins ça. Ça et puis celle au-dessus là. Ça après, bon non, niette, pas besoin. Ça non plus apparemment. Ok. Mais ça et puis ça, yes. Ok, bon, on va préparer les roues, puis on va faire que ça. Salut Eric. Je vais t'envoyer le 24 octobre. Bah oui, j'ai dû le recevoir, ouais, certainement. Il n'y a pas de notice avec les roues résine. Non, non, il n'y a pas de. Non, non, la boîte est vide. Non, tu sais. Bon, ça arrive souvent ça. Hein, quand c'est simple comme ça, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Hein. Tu vois, voilà. Ah.
Oh, il y a une fine ligne là, je l'enlève quand même. Tout le tour. Voilà, bon, je ferai gaffe de mettre ce côté-là au sol. Voilà. Donc on va d'abord monter celle-là. On va sortir la petite scie à nous, enfin la petite, la scie à nous. Salut Rick. Voilà. Alors. Alors, on va d'abord mettre celle-ci. Non plus, c'est pas une pièce où il y a une énorme tension. Hein. Voilà. Et ensuite là. Alors là. Concentration. C'est un truc en gel là. Voilà. Une de fait. Deuxième. Préparer les petites pièces, donc il faut juste celle-ci. Et celle-ci. Les autres, pas besoin. Salut Didier, comment tu vas? Ok, alors, on recommence. Et
Et voilà, voilà, voilà. Voilà, Dieu. Ah, c'est fait, c'est plus à faire. Oh, Joël, t'exagères. J'aurais pas osé la faire, moi. Demande à Didier Lord pour l'éclairage. Oui, bah oui. Bon, Didier, c'est de bonne guerre. Hein. C'est pour rigoler. Hein. C'est pour mettre un peu de... Tu sors, Joël. Voilà. Et en plus, Marseille pluie. Ah, il pleut à Marseille? Pour le moral, super. Oh, bah, c'est un temps de saison, là. Garde le moral, là, c'est important. Salut Thomas, comment tu vas? Et puis la lumière ici, c'est Didier. Oh, c'est gentil, mais... Oh, Didier, on a dû te la faire à l'école, celle-là. Hein. Puis ça va, Lampe, tu vois, Lampe, c'est pas encore... un prénom, un nom de famille qui se porte bien, enfin ça va quoi. Il y a pire, hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça c'est fait. Allez, zou, on n'en parle plus. Ensuite, il faut faire ça, là. La suspension, les essieux avant, et tout ça, et tout ça. Donc on va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Ressort à lame, éteint. Oh, ça, il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein. Ça, la roue, on va la mettre de côté. La roue de secours. On va la garder dans la petite boîte. Belle vidéo sur le black blazing. Ah, vous avez apprécié cette vidéo? J'avais peur que ça soit un peu confus quand même. Philippe, j'ai le message suivant quand j'essaie d'envoyer une photo. Et là, le propriétaire de YouTube Plastic Dream, donc c'est moi, ok, a demandé à ce que Discord bloque tous les messages que nos robots trouvent explicites. J'aurais demandé du tout, moi. Ou alors c'est le nom de ta photo, il y a un truc... Non, Philippe, je sais, je n'ai rien demandé à personne. Enfin, tu vois, je sais pas ce qui se passe. Hein. Change le nom de ta photo pour voir, mais... Didier Lance, mon surnom à l'école, cul de lampe, tête d'ampoule. Ouais, bah oui, bah oui. C'est quand on est gosse. Salut Kikinox. C'est vrai que quand on est gosse, on est assez méchant quand même. Alors c'est les grappes E. Alors apparemment il y a la E51 et la E63. Alors E51. Et E63, yes. All right. E44 44 44.
Ah, ça, je vais dégrapper. Le 44. Et ça, c'est le left spring qu'on va faire après. Ok, alors ça, on met après. Comment ça va, Kikinoux? Salut Dick. Pour la lampe Velman, bah la lampe Velman c'est que des tubes, hein, y a pas à LED. Mais moi j'ai des tubes, tu vois, ça me va très bien là. Moi j'en suis très content de ma lampe Velman. Après, est-ce qu'il existe une Velman avec des LED? Je sais pas. Didier, j'ai vu sur Pinterest la FAMO avec trois FAMAS qui tirent un tigre. Ah oui, il faut aller plusieurs FAMO pour tirer un tigre. Il est tellement lourd le tigre. Voilà, on va bien nettoyer la pièce. Ok, ça m'a manqué mes bouts de plastique, mine de rien. Hein. J'ai du mal à croire que cette maquette a 20 ans et dire que certaines marques n'arrivent pas à faire mieux en 2022. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, Kikinoux. S'il y a, je suis sur le site. Ah d'accord, bah écoute, je sais pas, aussi à l'aide c'est mieux peut-être pour la consommation. Après, je peux pas te garantir que c'est... Enfin, que ça éclaire pareil, moi j'ai la celle à néon, ça marche très bien. Ouais, mais il y en a plein de photos comme ça, de trois FAMO qui tirent un tigre. Hein. Alors, ça, c'est la E44. Comment ça, faut pas coller? Il faut pas coller cette partie-là. Il faut que ça reste mobile. C'est ça? Ah bah ça va être quelque chose. Hein. Ok, pas de problème. Là, on va faire le E55-57. E55 et E57. Franck, chez nous, il est 10h du matin et je regarde en travaillant. Ah oui, du Québec. C'est sympa qu'on ait des Québécois, qu'on partage ça, cette langue-là, c'est quand même sympa. Hein. Ça devrait être le français, la langue universelle, au lieu de l'anglais, là. Ils nous font chier, ces ricains. T'imagines si tout le monde parlait en deuxième langue français? Ce serait génial.
Alors comment ça se colle ça? Tac, tac, tac. Ok. Ok. C'est marrant qu'ils aient fait cette... Je t'ai fait concurrence pour les bases de bouteilles de colle, mais moi je suis obligé de leur donner du pognon pour qu'ils les prennent. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Dick? Voilà, donc ça, ça doit venir là, et ça doit emprisonner ça, comme ça. Si j'ai bien tout compris, hein. Non, de l'autre côté. Oula, attention. Comme ça. Okay. Donc là, il faudrait peut-être mettre une colle épaisse, pas la colle fluide, pour que ça colle tout, sauf le petit coin là. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Bon. Ok, par contre, il faut préparer les deux, il faut bien préparer toutes les pièces. Alors quand j'étais en vacances, là, une dizaine de jours, j'ai pas maquetté, bien sûr, j'ai fait beaucoup de balades, mais j'ai aussi, enfin, j'ai regardé quelques vidéos de temps en temps, notamment à 4 garages, là. Et ma petite fille, Marina, qui a 3 ans, elle est fascinée par à 4 garages. Ah, ça, c'était trop marrant. Oh, les vidéos sont longues, hein, 20-25 minutes. Ben, se mettait sur mes genoux, là, je mettais l'iPad comme ça devant moi, là. Et pendant 20 minutes, elle était mais, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, hein, devant un 4 garages. C'était trop drôle. Alors, attends. Ça, c'est là, donc. Ok. Et celle-là, elle est là. Okay. Ok, et ça, tac. Ouais, il faut que je prépare la colle blanche. Salut Philippe! Salut David! C'est bizarre, j'arrive à charger une photo que j'ai déjà postée sur Discord, mais pas une nouvelle. Ben, ça, c'est bizarre, Philippe. J'ai jamais entendu ça. Hein. C'est la première fois, franchement. À 4 garages, c'est impressionnant ce qu'il fait, j'adore, mais ce n'est pas pourtant pas les vidéos les plus dynamiques. Non, non, oui, je sais pas pourquoi. Elle était mais fascinée. Puis après, quand j'en mettais une autre, tu vois, maquette aussi, hein, mais tu vois, Night Shift ou. Ouais, là, ça l'intéressait pas. Elle partait. Et dès qu'elle voyait de loin que je mettais que c'était à 4 garages, elle s'asseyait sur mes genoux à bouche ouverte. Joël, oui, mais sur la Velle Madeleine, on ne peut pas les remplacer, c'est l'avantage du modèle à tube. Ouais, voilà, il faut, ouais. Mais il faut les remplacer tous les genres. Moi, c'est 4 ans, et ça m'a coûté quand même 60 balles, hein, le remplacement de tous les tubes. C'est pas anodin. Salut, mon herpe, comment ça va? Bah, écoute, ça gazouille, comme tu dis. Tant qu'il y a de la maquette, il y a de l'espoir. Mais là, avec le changement d'heure, en plus, là, à 18h, il fait nuit totale. Là, il fait déjà sombre, hein, je trouve. Je suis obligé d'allumer toutes les lumières de la pièce, là. Pas de me dire, on est en hiver, on va pas se plaindre quand en hiver, il fait froid, et quand en été, il fait chaud, hein. Alors, dis donc, à Chambéry, le midi, on mangeait dehors, parce qu'il faisait genre 17, 18, 19 degrés, tu vois, c'était sympa. On profitait des derniers beaux jours, quoi. Et dès que la nuit tombe,
genre 18h, tu vois. Putain, la température, elle baisse à une vitesse. C'est-à-dire à 19h, il fait 9 degrés, quoi. Mais la montagne, c'est chouette, hein. Oh là là là, qu'est-ce que c'est chouette. Et pourquoi j'arrive pas là, ça, j'ai réussi tout à l'heure. Okay. Donc là, normalement, je vais essayer de mettre une micro-goutte, mais ici, là. Sans que ça tripote trop. Un peu que je dise pas de bêtises, faut que je regarde le plan si j'ai bien fait comme il faut. Yes, c'est bon. Rudy, avez-vous continué la série Blacklist? Moi j'ai repris la saison 7 pour me rappeler un peu car la 8 va sortir du 9 novembre. Ouais, là je vais pas regarder de série depuis 15 jours, mais ouais, je suis toujours sur Blacklist. Mais que je connaissais bien déjà, c'était la deuxième fois que je la voyais. Il y a la publicité qui dit la montagne, ça vous gagne. Ouais. Et puis le bon air, quoi. Là-bas, je dormais pratiquement 8 heures de suite, quoi. Je faisais des nuits de 8 heures. Ici, à Paris, c'est pas possible. Hein. À Paris, 6 heures, 6 heures et demie, des fois 7 heures. Bon. Mais là-bas, dès la première nuit, bon, 8 heures. Voilà. Puis sans me réveiller, sommeil profond et tout, hein, je le sais avec ma montre là. Tu sais, ça donne des scores au fur et à mesure que tu fais une bonne nuit. Moi, j'ai à Chambéry, j'ai des scores de 98, 99 sur 100, là, impeccable. J'arrive à Paris, boum, ça redescend à 80. Parce que j'ai pas dormi assez, j'ai pas eu assez de phases de sommeil profond, j'ai remué un peu trop. Comme quoi, l'air de la montagne, ça joue. Bon, alors ça c'est bon. Alors maintenant il faut nettoyer cette petite pièce là. Car là j'ai l'impression qu'il est 17h et en fait il est 15h11 quoi. C'est fou. Alors Fabio il a recommencé ses vidéos, j'ai vu ça tout à l'heure là. C'est bon, c'est reparti comme en 40. Il a eu un problème avec son garçon là, malheureux. Et un petit problème de famille. Voilà. C'est le jeûne épice. Après 2-3 mètres, il dort mieux. Non, même pas. Même pas. J'ai fait deux écarts. Mon fils avait fait une belle raclette. Donc on a mangé la raclette. Bon, j'ai pas abusé, hein. J'ai fait attention de ne pas manger trop. Et puis on a bu une lèvre. Voilà. On a bu une bière à l'apéro une fois. Bon voilà. C'était mes seuls écarts. Mario, salut les amis. Bonjour Didier. Retour au bercail levé depuis 3h30 du matin. Ah moi 4h. On a pris le train à 6h. Je me suis levé à 4h, mais bon, encore plus tôt. Bon, ça, je mettrai, il faut coller ça à ça, mais il faut attendre que ça soit un peu plus sec. Hein. Là, front well, ouais, normalement, bah, là, les roues, elles vont venir là, ça, on a bien compris. Et là, devant, on va emprisonner la E12 et la E13. Ils doivent être ici, yes.
À 12. À 13. Et qui vont emprisonner. Après, dessus, on posera E20, E21. Bon, on va faire ça après, faisons étape par étape. Le tout est pas abusé. Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu sais ce que c'est, Joël. Hein, on essaye, mais... Mais c'est tellement bon, alors tu te dis, oh, allez, vas-y, on fera un régime, on fera attention un peu plus la semaine prochaine. Alors ça, il faut que je le prenne, tu vois, en chasse comme ça. Et ça, pareil, il faut pas coller le central, il faut coller juste là. Oui, mais moi je bosse. Ah, oh, oui, mon pauvre. Oh, t'as bientôt fini ta journée là. 15h. Enfin, si tu bosses depuis tôt ce matin. Voilà, il faut que ça bascule un peu. Pareil, je demande un tout petit peu que ça sèche. Sylvain, ah salut Sylvain, Mr. Plastic Kid, comment ça va? Comment ça va la chaîne, le boulot, tout ça, Sylvain? Ça fait plaisir de te voir. Toujours sur le blindé ukrainien, comment ça se passe? Je suis rentré ce matin, j'ai pas été voir, hein, tu m'excuseras, mais j'ai pas été faire un tour sur toutes les chaînes, là. Même sur celle de Thomas, tout ça, j'ai pas été voir s'il y a... J'ai juste vu que Fabio, il avait ressorti une vidéo ou deux, là. E21. Salut Olaf, ça boum, mon Didier, attends. À Donf la Seuquée. Alors ce fameux, on va le peindre avec de l'acrylique 100% là, Valero. Eh ouais, eh ben ouais. J'avais dit que je me mettrais à la peinture, tu vois, de temps en temps. Comme j'aime pas travailler avec la haute et tout le bazar là. Et puis je vais protéger mes petits poumons fragiles, là, j'ai acheté ça. Ta-ta-ta-la. Voilà, je sais pas encore quoi, bah, tu vois, je sais pas encore avec quel camo je vais faire, mais enfin bref. Valero et tout, j'ai acheté tous les produits, tout ce qu'il faut, tout machin, même pour faire les roules. Wells and Cracks. Comme ça, hop. Ma maquette est finie, le diorama aussi. Ah, génial! Bravo Sylvain, génial, top. T'avais fait une vidéo quand tu l'as terminée, Sylvain? J'allais la regarder après. Là. Ouais, j'avais suivi quand t'avais fait la poubelle et tout ça, c'était super sympa. Hein. On apprend plein de trucs dans tes vidéos, c'est chouette.
Didier, j'ai acheté le même fameux sur le bon coin pour 35 euros. Oh, bah, faites tous. Ça fait une affaire. Boîte complète et neuve. Le monsieur ne voulait pas de cadeau. Du cadeau de la mamie. Dommage pour lui. Ah, bah ouais. Ah, bah, t'as fait une affaire. Génial, Mario. Avec la remorque et tout, ou que le fameux? Sylvain, je me détends sur une maquette Star Wars à 72 Bandai. Ah, ils sont sympas, ceux-là. Ils sont chouettes. Ah oui, Bandai, c'est connu pour ça. Hein. Et l'assemblage, et que tout bouge, et machin, tout ça. J'en avais fait une, moi, laquelle j'avais fait. Deux Bandai, j'avais fait un... Non, un Bandai, un robot de... un film, là. Comment il s'appelait, ce satané film, là? C'est très bien, d'ailleurs, là. Les robots super géants, là, qui sont grands, qui font... Tu vois, 80 mètres de haut, là. J'avais fait ça pour mon petit-fils. Tout bougeait, tout s'assemblait, c'était impeccable, nickel. Oui, j'ai fait un short YouTube. Ah, tu fais des shorts YouTube, toi? Ok. Ah bah, écoute, j'irai voir tout à l'heure, Sylvain. Chouette. Complet avec remorque. Oh bah ouais, là t'as fait une affaire, 35 balles. Bravo. Là, le petit papy, il aurait pu le revendre un peu plus cher. Enfin, c'est bien, t'as fait une bonne affaire. Sur un Snow Speeder Revel à 8,50€, est pas mal. Ouais, Revel, ils font des bons petits trucs, surtout les petits Star Wars. C'est chouette à faire, ça. On peut faire des petits dioramas sympathiques. Voilà, Zouk, Zouk. Et puis c'est tout. Yes, après il y aura le. La petite barre là à mettre là, mais on va attendre. On remarque qu'on va tester peut-être que c'est bon. Ok. Là c'est bon. Ah bah c'est bon. Voilà. Oh. Ok, donc ça c'est le train avant. La suspension avant. Salut Céiste. C'est le film Transformer. Non, attends. Non, les robots ils se transforment pas. Hein. Non, c'est pas Transporteur. Transformer. Ça va me revenir. Hein. J'ai acheté toute la série un Dio à chaque fois. Ouais, tu vas te régaler, tu vas voir, c'est des super. Bandai, ils sont pas mal. Hein. Non, non, attends, comment il s'appelle ce film? Non, parce que Transformer, je vois ce que c'est. Il y a eu le 1, le 2, le 3. Oui, voilà, c'est ça. Merci Tristan. Pacific Rim. C'était un des robots de Pacific Rim. Oui, bonjour du Portugal, bon travail. Je vais recommencer la maquette grâce aux vidéos de Plastic Dream. Ah bah génial, Rui.
Du Portugal en plus. Génial. Au soleil, enfin au soleil, j'espère pour toi. Plus de soleil que nous. Ici à Paris. Alors, étape 9. Terminé. Maintenant, on va faire le dispositif de remorquage. Alors, on peut déjà coupler ça. Oui, plus calme. Alors, on peut coupler ça à ça. Mais je vois pas comment ça se... Quoi? Attends un peu, c'est bizarre ça. Ah oui, comme ça, yes. Donc là, je pourrais mettre, je peux le mettre comme ça ou pas? Ok. Voilà. Ok, ça c'est pas la peine de coller, je mets ça, hop. Voilà, bon, le train avant, il est dedans. On va sécher là. Et maintenant, on va faire le E26, E27, E28. Rien à dire, c'est clair, limite pour apprendre à assembler pour les débutants, c'est le top. Ah ouais, génial. Les Japonais sont fous de robots qui viennent de l'espace pour défoncer le Japon ou la Terre. Ouais, c'est leur culture ça. Salut Fabrice. Nous avons la même heure qu'à Paris. Ah oui, 15h26. J'ai fait une entrave aux avions, nous dit Fabrice, j'ai acheté mon premier camion. Ah oui, pour Alec tomber 25, bien sûr, bah oui. Génial. Alors, 26, 27, 28. Alors, 26... Sept, 28. Donc ça c'est le guide de câble. Guide de câble. Alors le guide de câble, comme ça si j'ai bien compris. Hop.
une fois comme ça, la petite plaque ici. Un G71 à plateau pour Fabrice. J'attends un double essieu citerne, une Willis et le crew, l'équipage de l'avion. Ok. Voilà. Et ensuite, on va faire l'attelage. Ce qu'ils appellent l'attelage, là, ça, là. E4, E5, je me souviens pas avoir monté ça la dernière fois. Alors, E10, ok. Et on affiche ça dans le fond, là, ok, comme ça, ok. On aura bientôt fini le dessous. Hein. Alors, on va d'abord faire E10, E5, E4, E7. Oui, je viens de commander pour commencer une maquette Edward Kit Aircraft BF-109G10. Ah bah génial, la petite BF-109. Tu vas trouver plein de vidéos de... Pour prendre exemple, quoi, pour t'aider là-dessus. Hein, ce BF-109, ça... Et Thomas, il a commencé son Messerschmitt BF-109 au 32 là de chez Wingnut Wings. Comme il monte vite en plus, Thomas là. Je serais pas étonné qu'il ait déjà fini le temps que je parte en vacances. Salut Fabrice. Ça y est, alors on va ouvrir un club de vieux. Alors attends. On va attendre un tout petit peu que ça prenne
ça reprenne un peu de... Voilà, petite barre comme ça, là. Hop. Allez, attendons un tout petit peu, après on mettra les deux là, dedans. En attendant, on va dégrapper et monter le reste. Le E24 et le E6. Alors, E24 et E6. Et après, j'ai quoi? E23. Right, elle est juste à côté, des grappons là. Hop. Et puis après. Oh là, il y en a encore 3, 4 pièces. Pff. Il y en a là-dessus, hein. E24. Elle est où? Ah non, je vais de la décommer, ça. Qu'est-ce que tu fais là, Didier? E1, E2. Voilà, c'est pas compliqué. E1, c'est ici. Toute petite pièce, attention, hop, 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 voilà, et E2, elle est complexe cette pièce, toute petite pièce, et plein de trucs. Salut Jean, comment tu vas? C'est mon anti-stress cette passion, bah oui, Rui, c'est parfait pour ça, pour se calmer, la méditation, tout ça, tu vois, la concentration. Ça, la maquette, c'est top de chez top. Hein. Il n'y a pas que la maquette, la figurine aussi. Hein. Ok, alors ça, c'est un petit truc en caoutchouc dedans aussi. Ah bah non, ça rentre pas là-dedans. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il paraît qu'il y a des pièces de jonction toutes petites. Ah, moi, j'en ai pas vu, hein, dans la boîte. Ça, c'est ce qu'ils appellent les grandes. Et la petite... Je n'ai pas vu ça. Ah si, elle est là. Elle est là-dedans. Alors, zo. Oula, il est temps que je change de lame là, du cutter, parce que ça coupe absolument plus rien. Alors c'est ça la petite heure, ok. Ouais, effectivement, ça va un peu mieux.
Ok, et ça après, donc ça vient comme ça. Ok. Voilà, donc ça on peut normalement, hop, nickel. Salut Franck, comment tu vas? Alors, 24, E6, E6 c'est celle-là. Bon, je te laisse faire l'animation, Lolof. Hein, comme ça, pendant ce temps-là, je peux me concentrer sur mes maquettes pendant que tu sors tes âneries, là. Comme ça, je suis tranquille. Hein. Je me souviens avoir monté cette pièce. Je m'en souvenais pas tout à l'heure, mais ça m'a revenu là. Donc. Ça sera la petite poignée à mettre dessus, mais tout à l'heure. Et là maintenant, ça c'est un peu plus dur, on va pouvoir travailler dessus. Alors. Je vais bien, je suis sur les décals de mon F18 AE et sur le petit de mon BF109. Bon, t'as du boulot quoi. Salut Jean-Luc! Salut Sylvain, à plus, ciao. Merci Sylvain. Attends, je regarde un truc pour pas que je fasse de conneries, parce que généralement je fais beaucoup de boulettes quand même. Je voudrais bien avoir les petits doigts de mes petits-enfants là. Ah bon, il fallait pas le coller apparemment. Et ben c'est foutu, j'ai collé moi. Ok, et ça vient. Ça, il paraît qu'il faut pas le coller non plus. Ça, c'est la petite poignée qui va aller. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? P
peut-être qu'il faut quelques jours pour se remettre dans le bain, tu sais. C'est peut-être ça. Il faut se réacclimater. Alors, qu'est-ce que vous nous dites là, à part des bêtises ? Salut Ange, comment tu vas ? Le repas à la clinique, c'est vraiment dégueulasse. Ah bah ouais. C'est fait exprès pour pas que tu restes longtemps, pour que tu n'aies pas envie de rester. Parce que si ça serait bon et douillet avec des belles infirmières, il y en a, ils resteraient, tu vois. Là, on met des vieilles infirmières, la bouffe dégueulasse, comme ça, les mecs, ils restent pas longtemps. Alors, attends, viens ici, toi. Donc, toi, t'es censé... Comme ça, ok, d'accord. Ok. On le met où le remorquable? Bon, alors on est censé mettre les roues, tout le bazar. Ah, le remorquable, il va venir ici après. D'accord. Il va se mettre genre comme ça. Et il vient se mettre, fais voir un peu, au-dessus, ici. De câble, c'est bien compris, mais enfin. Ah, ok, comme ça, carrément. Ok, ok, bah, on peut le coller maintenant, de toute façon, c'est bon. Hein. Ok, bon, bah voilà, hein. Sympa. On va faire maintenant le treuil. Le treuil avec la ficelle et tout le bazar là. On va poser ça là. Salut François, comment tu vas? Salut Baptiste, salut Joël. Ça y est, pouce fait, bon c'est bien. Vous avez mis des photos sur Discord ou rien du tout? On va aller voir sur Discord. Ah, Philippe, ben voilà. Sympa. Très sympa, Philippe. Elle est originale, cette camo, hein. C'est un copieur. Il va me permettre de fabriquer des contre-profils de la carlingue pour le stocker dans une boîte de munitions faite par mes soins. Ben, génial. Alors, vous avez mis que ça comme photo, les mecs? C'est moi qui fais tout le boulot. Vous montrez pas vos trucs. Alors, on y va. E38. Bah, ceux qui sont au boulot, évidemment, on ne pouvait pas montrer beaucoup de trucs. Hein. Mais Discord, c'est fait pour qu'on partage des trucs. Si
qui vous montrait rien. Moi, je suis tout seul. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne le font pas parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais ma maquette, elle est tellement nulle. Vous faites tellement mieux que moi. » Mais non, que nenni, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc là, il faut couper le petit truc là qu'ils disent. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est pour pouvoir bien mettre la petite ficelle là. Ok. Ensuite, il faut remettre un petit coup de. Un petit. On va sortir la ficelle aussi. Alors normalement ça va là-dedans. Là, on va préparer la pièce E40. Salut Baptiste, Joël, comment va? J'aimerais bien charger d'autres photos, mais toujours le même message d'erreur. Mais ça c'est trop bizarre. Moi je touche jamais au Discord, hein. Je vais pas dans les réglages pour changer des choses et tout. Voilà, donc ça va venir là, que je vais devoir coller là, hein, c'est ça? Ah oui. Couper 2 m 40 cm, quoi? Ou 2 m, ça veut dire 2 morceaux. Je comprends pas. C'est un morceau, qu'est-ce que je raconte? Bon, alors attends, ça on met là-dedans. Hop, là on coupe un bout de, ils disent 40 cm. Ça fait combien déjà, je sais plus, 50 ou quoi. On va dire que ça c'est bon. Bon, après on va changer la lame du cutter là parce que là, c'est la 4. Alors on fait un nœud au bout, un petit nœud. Mes gros doigts. Oh, laisse tomber Didier. Hein. Si tu n'arrives même pas à faire un nœud, faut arrêter la maquette. Hein. Fais autre chose. Mets-toi au tricot. Au crochet. C'est bon, ok. Alors attends. Celle-ci, on va le laisser sécher comme il faut. Après, on va l'enrouler. Thank you.
l'OM, vraiment pas cool, éliminé de la Ligue des Champions. Ah, il y a encore une équipe de foot à Marseille? C'est vrai? Moi, je pensais qu'ils avaient arrêté depuis que Tapie était plus là, tout ça, là. C'était mort, ça. Le football. Alors, 46 au 39. Le 46 au 39. Il y a encore une équipe de foot à Marseille. Oh, peu cher. Tu connais l'histoire du... Du mec qui a un accident de la route, là. Enfin, non, pas un accident de la route, mais il sert de cobaye dans un... Dans un laboratoire médical, tu sais. Alors, le but, c'est de voir, à propos des QI, tu vois, jusqu'à où on peut descendre dans les QI, tu vois. Donc, il lui trafique le cerveau, le mec était attaché et tout. Et puis, on lui enlève un bout de cerveau, alors il a genre 50 QI. Alors, on lui pose une question et le mec, il répond encore juste. Bon, tu vois, et bon, on va essayer, on va enlever encore un bout. Alors, ils enlèvent un bout. Là, le mec, il a 20 QI, tu vois. Puis, on lui pose une question... Simple, hein, tu vois, c'est quand la fête nationale en France 14 juillet, il dit, ah ben, bon, on va encore enlever. Alors là, ils enlèvent un gros bout, il reste 1% de QI, un QI, un seul. Et là, ils disent au mec, et ils regardent le mec, alors... Et le mec, il regarde, il dit, oh putain de con, allez l'OM. Ça m'a toujours fait marrer, cette blague. Alors c'est sûr que je vais avoir des messages, tu vois. Il y aura des emails ce soir. Oui, monsieur. Sachez que je suis supporter de l'équipe de l'OM depuis 35 ans. Et que c'est insupportable d'entendre des choses comme ça sur YouTube. Hop, alors ça, il y a deux, trois petites pièces à coller là-dessus, ça on va pas s'y attarder vraiment parce que, tu vois, bon j'enlève là pour la forme, mais c'est vraiment en dessous, c'est vraiment un truc qu'on va pas voir, on va voir juste le profil quoi. Salut Yann, un petit coucou de Bretagne, merci. Je suis de Marseille, je ne bois pas de tisane et je m'appelle Luciano. Ah, notre ami Luciano. B22, alors pourquoi m'a-t-il... Oh, cassé, passe. Alors, l'écran B. Mettre sur la même grappe, non, hein. Alors D, L, M, K, 1, J, 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 il n'y a même plus de H, K, M, L, D, G, B. Ah. Il me faut trois pièces B22. Une, deux. Et trois. Allez Frédéric, comment ça va? Je vais très bien, et toi? Ah, donc voilà Floppy. Ma brodeuse a fait un miracle. Elle a pas fait de faute, ça va? Dans les noms? Moi, tu m'as mis quoi comme nom? Biloute?
On va être beau comme tout, hein. Alors on va se faire contrôler par les flics, tu vas voir qu'on va avoir l'air de... Hop, voilà. Alors ça vient comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout mignon. Ouais, j'aimerais bien, il est sympa. J'avais envie de faire des maquettes là. Il ne faut pas oublier que nous sommes les premiers à avoir gagné la coupe aux grandes oreilles. C'est quoi ça? La Coupe du Monde? Les Marseillais, ils ont gagné la Coupe du Monde. Oh, t'es pas Marseillais pour rien, toi, là. Hein. Les Marseillais, ils ont gagné la Coupe du Monde. Bah, tu me diras, nous, à Paris, on n'a même plus d'équipe. Hein, alors, on va pas se moquer, hein. Au moins à Marseille, c'est des Marseillais, tu vois. Ici à Paris, les équipes avec des Parisiens, il n'y en a pas, hein. C'est zéro. Hein. Bon ben voilà. Et maintenant, il faut que je colle ça comment? D'accord, ça en premier, et après, donc comme ça, et ça vient dessus, comme ça. Ça, il faut un peu le bidocher. Ouais, je crois qu'il faut faire, plutôt comme ça. Alors, attends. Il faut plutôt le mettre, genre... Okay. Oula, Fatus, il y avait une goutte là-dedans. Alors, tu vois, voilà, colle comme ça. On va attendre un petit chouïa à ce que ça se prenne un peu le chou là. Ça colle un peu, voilà. Et après, on va préparer le B30. C'est le petit anneau. Alors, je sais pas comment on va faire tenir ça, mais... là mais vois, il faut faire tenir le bout de ficelle ça là qui est tout frit-frit, il faut le faire rentrer là-dedans. Bah, bravo hein. Alors ce que je vais faire, je crois que c'est je vais passer de la scie anneau là-dessus, laisser sécher pour que ça soit dur et après hop. Il reste Mbappé en gaulois à Paris. Même notre jardinier est anglais. C'est plus Paris. Mais non, c'est Paris, c'est Qatar. Ah, il y a des montages en cours sur le Discord. Ah yes, bah, y a des tas de trucs, dites-moi quand vous mettez des trucs les gars. Ben voilà, bon, moi je suis sûrement Jean-Luc sur le Swordfish. Ah bah.
Et ça passe montage, hein, Jean-Luc. Et sur la McLaren de mon petit-fils, ça change. Ah ouais, une petite bagnole de temps en temps. Tesla, quelques photos de mon F18 au B-Boss au 1.48, première pour le Black Basing. Ça fait un Black Basing là? Peut-être que les photos rendent pas justice à ton travail, parce qu'on voit pas très bien. Écoute, super. Le QG. Alors le fameux camion, là, le G7107. Un picon bière, le vas-y mollo, que tu m'as l'air déjà bien en train, très sympa le camion. Et côté bois, là c'est voilà, super. Alors, oui, je sors ma scie à nous, moi, pendant ce temps-là. Ouais, il est super, le bateau, hein. Chouette. Ça, c'est du boulot. Hein. Le bateau, c'est énormément de travail. Sylvain, mon intérieur de M1 de Abrams pour le GB. Sympa. Ouais, dis donc, il y a du boulot, là, hein. Super Sylvain, génial, top top. Bon, moi je vais passer de la cyano là-dessus. Alors, tu vois, je la trempe un peu là. Hop. Voilà. Je vais le laisser durcir maintenant. Après, on va le couper. Je vais en profiter pour changer les lames là. La lame de mon cutter. C'est pas 3-4 picombières qui vont me tuer la bête Didier. Ah si si, moi j'ai plus l'habitude des picombières. J'en ai pas bu depuis des années. Et puis maintenant que j'ai plus le droit à l'alcool, laisse tomber. Hein. Non, ça tue le picombière. Hop, poubelle, enfin à côté de la poubelle, j'ai mal visé, j'irai la chercher tout à l'heure. Voilà, donc on va attendre un tout petit peu. Je pourrais mettre un petit coup de... un petit coup de glue activateur, ça va accélérer le truc. Voilà, et là normalement
Là, je mets plein de glue activateur. Je replonge un peu dans la cyano. Histoire que les fibres soient bien, super bien collées. Voilà, on va laisser sécher un peu encore. Joli voilou. Bois de mon picombière, mais vas-y, bois le bois. Comment ça se fait? Tu dis Alain, t'as un cyano, bah, t'as dû laisser ouvert le. Tu vois, même légèrement, t'as dû laisser passer un peu d'air mal refermé. Il n'y a que ça qui fait sécher la cyano, c'est l'air. Hein. Salut Frédéric! Voilà, donc il faut d'abord le passer dans le petit truc là. Ouais, c'est bon, sec. Alors, là, normalement. Bon, bah, vas-y. Ah, ça a fait un nœud. Mais non, docteur. Enfin, remarque, on s'en fout parce que. Parce que c'est pas besoin d'aller jusque là quoi. Voilà. Bon. Attends, je vais bien le serrer quand même. Hop. Ah ben, il veut pas se serrer. Bon, c'est pas grave. Maintenant c'est ça. Et ça, on peut le mettre là-dedans. Alors là, je repasse un coup de cyano. Faut plus bouger. Voilà. Ça va Frédéric? Dis que ce n'est pas l'air qui fait sécher la cyano. Ah bon, c'est quoi? Le picombière? Toi, avec toi, dis que je sais jamais si tu vas te dire un truc sérieux ou pas. Tu vois, c'est bien dur. Alors que moi, je suis toujours sérieux. Ah, salut Tricktoki, salut Emilien. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Ah pardon, oui. Merci pour le jeu de mots. Toujours sérieux, ouais. C'est vrai que t'es sérieux toi, Floppy. Hein. Alors, normalement, ça devrait rester une fois qu'il sera un peu tendu. Ouais. Bon, ça reste pas bien tendu comme vous le voyez. Parce que moi il va rester comme ça, hein. Je vais pas le. Ce que je vais faire, viens ici dans mon chichi. Oui, on peut la mettre au frigo aussi. Moi je la mets jamais au frigo, par exemple. Elle est toujours là sur mon atelier. Tu vois, ça fait longtemps que je l'ai là, je l'ai jamais mis au frigo. Du moment qu'elle est bien fermée et puis que tu vois, tu empêches le. Attends, bouge pas. Hop.
Oh, 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 c'est qui le patron? C'est qui le patron? Que tu empêches l'air de rentrer, que ça soit bien fermé, et puis à chaque fois que tu as mis une goutte, tu tapes comme ça, pour que la cyano elle redescende du petit applicateur là. Moi c'est nickel. Hein. Bah c'est quoi qui fait sécher la cyano alors? Dick, si c'est pas l'air. Voilà. Sinon, elle sécherait dans le flacon. Voilà, voilà. Nickel. Donc là, on vient de finir. Ah, pas tout à fait, on a encore un petit truc à faire. L'étape 22. Là, on va travailler un peu ici, là. Et l'étape 22 sera terminée. L'étape 22, c'est pièce E22 et E62. Attention des petites pièces comme ça. Voilà. Et là, ça se passe. Comme ça chez McDonald's, comme dirait l'autre. Hop. Voilà. Et après. Étape 22 terminé, et là normalement on a les patins à faire, à tester sur les roues, mais avant et après ça sera un sous-groupe de peinture, et après on attaque le deuxième sous-groupe qui va être la cabine, et troisième sous-groupe la cabine arrière. Ça fera trois groupes de peinture, enfin trois, tu vois. Et puis après la remorque, évidemment. Voilà. Donc là, les roues de camion, elles vont venir là, hein, vont venir se mettre là et tout. Et il faut que je trouve, enfin que je répare les trois pignons cassés là. Mais je ferai ça hors caméra, tranquille. Hop, voilà. Salut Lionel. La cyano sèche au contact de l'humidité. Dans l'air, il y a de l'eau. Ah d'accord, ok. Ah t'as vu un vrai fameux en Normandie pour les commémos? Ah ouais.
Ouais, c'est un gros truc, hein. Bon, ben voilà, les gars. On a bricolé un petit peu aujourd'hui. C'était un petit direct de reprise, comme on dit. Tout. Voilà, donc la prochaine séance, ben, je crois qu'on va attaquer les... J'aurai réparé les roues, là, je vais les coller provisoirement. Avec la colle repositionnable, là. De façon à pouvoir bien monter les chenilles, là. Ils disent qu'il y a 47 chaînons. Donc on va faire 2 fois 47, plus mais tous les petits patins, là. On va bien s'amuser. Mais on va le faire en direct, là. Vous verrez à quel point c'est long, hein. Le but des directs, c'est ça. Hein. Bon, bah les gars, on a passé combien de temps ensemble, là? Alors, 120 personnes, ok, 70 likes, ok. Et on est ensemble depuis 2h10. C'est pas mal. Ouais, à plus les gars, et puis passer, alors on va demander à l'orchestre de bien vouloir plier les gaules, voilà. À plus les gars, et puis merci d'être passé, et puis on se voit, bah, ceux qui vont venir chez Passion samedi, on se voit chez Passion. Et puis pour tous les autres, et bah, prochain direct, ok. On va essayer de filmer un peu chez Passion, faire quelques photos, et qu'on puisse vous montrer tout ça. Ok. Alors bonne fin de journée et puis à très très bientôt. Merci d'être passé me voir. A plus les gars. Ciao ciao.